Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais réagir à un son que j'ai pas entendu. Le clip il est sorti hier. C'est Grand Corps Malade. Le son il s'appelle Pas Essentiel. Donc je le dis d'avance, Grand Corps Malade. Et j'ai jamais pris le temps d'écouter en tout cas tout ce qu'il peut faire en tant que catégorie de slam. Et c'est vrai que s'il n'y a pas la prod pour moi, s'il n'y a pas une instru qui envoie ou qui t'emporte, pour moi, je suis pas très fan. Mais voilà, je peux tomber sur des petites choses qui sont très bien, comme le son avec Camille Lelouch, que je vais sûrement faire après ou dans les jours. Que ce mec il est fort, mais après, voilà, c'est pas ma tasse de thé. Mais voilà, par curiosité, je vais voir qu'est-ce qu'il donne. Et voilà, on va chercher le positif toujours. Et on peut tomber sur des pépites toujours. Donc voilà, c'est Grand Corps Malade, Pas Essentiel. Aïe, 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 il l'a fait jusqu'au bout. Terminé, terminé. Pour moi, c'est une dinguerie. Pour moi, c'est une dinguerie. Le seul truc que j'aurais aimé, c'est de voir Grand Corps Malade avec un flow qui suit le son. C'est juste un kiff que j'aurais aimé savoir comment il peut envoyer. En tout cas, le son pour moi, il est très lourd. C'est voilà, pour moi, moi je suis quelqu'un qui écoute la musique. Donc quand j'écoute ce son, je kiffe. Point barre. Point barre. C'est après oui, il y a des sons qui sont différents, etc. Mais en tout cas, voilà, celui-là, je kiffe. Je sais pas comment ça se fait qu'il a choisi une prod comme ça. C'est qui a la prod? Est-ce qu'il l'a marqué? J'ai pas l'impression, on dirait. Mais voilà, musique, ouais, musique Moziman, Street Dance de Break Machine. Ah, c'est déjà un son de. Ah, il l'a repris ou quoi? Est-ce que c'est un son qu'il a repris? En tout cas, c'est signé, hein, non? Ouais, c'est signé. Bah, c'est signé, mais je crois que c'est un son qu'il a repris. C'est quoi? Non? Moziman Street Dance. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il y a ce titre. Peut-être c'est le titre qui. Je sais pas. En tout cas, peut-être qu'il a pris d'un label ou d'un mec qui l'a. Enfin, je sais pas. En tout cas, le son, il est lourd. Point barre. C'est vrai que quand moi je kiffe le son, donc là j'ai kiffé. Donc quand j'écoute, c'est vrai que j'ai pris plus d'attention à écouter les paroles et presque les boire. Même parce que ouais, il parlait de tout ce qui était toutes les activités qu'on pouvait pas faire, etc., qui étaient soi-disant pas essentielles et tout, donc c'est intéressant. Il touche à tous les domaines et j'aime bien. J'aurais aimé voir voilà, des sons comme ça, même si voilà, c'est comment dire, le son est bon. Après, voilà, si jamais il a le flow dessus, c'est sûr que c'est encore mieux, etc. Mais voilà, c'est son style de grand corps malade. C'est quelqu'un qui fait du slam, donc il n'est pas là pour t'ambiancer. Mais je trouve que le son, il t'ambiance quand même. Et c'est fort. Respect, parce que c'est une prod qui bouge, qui est dansante, etc. Et il pose dessus, et ça passe. Et ça passe super bien. Qu'est-ce que disent les gens? Les gens aiment beaucoup les paroles, hein. De toute façon, c'est toujours ça. Est-ce qu'il parle de. Enfin, c'est surtout ouais, pour les paroles. En tout cas, moi, je kiffe beaucoup parce que ce mec est. Bah, il est fort dans sa catégorie, il sait bien le faire et ça marche toujours. Il est toujours là depuis je sais pas combien d'années, ce gars. Donc, respect. C'est vrai que j'ai pas prêté beaucoup d'attention à cet artiste. Et peut-être c'est de ma faute, peut-être que j'aurais dû le faire. Et bah, quand j'entends un son comme ça, c'est vrai que j'aurais dû. Parce que c'est vrai que quand on n'entend que les paroles, c'est bien si on est quelqu'un qui écoute la musique pour les paroles, surtout ou pour beaucoup. Moi, si le son est bien, faut que tu aies un minimum de paroles correctes derrière. C'est-à-dire, jamais tu dis que de la merde, ça.
ça va moins m'intéresser qu'un mec qui va rapper avec des paroles un peu plus sensées, même si jamais le mec il dit de la merde et que la prod est très très forte et que le flow est très lourd aussi, ça peut passer aussi. Donc il y a plein de trucs et je trouve que ça passe bien. Voilà, le morceau passe très bien, respect à lui pour ce choix de prod. Les paroles collent bien avec l'instru et ça roule, ça roule, ça déroule tout seul. Et joli, joli. Donc beau clip aussi, bien travaillé. Il a représenté tout ce qui n'était pas entre guillemets essentiel. Et c'est bien, il fait passer des messages à travers ses clips, ses chansons. Et c'est lourd et intéressant. Donc voilà, je vous laisse sur ça. C'était ma petite réaction pour Grand Corps Malade, pas essentiel. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!